C'est à l'unanimité que les maires des 266 communes du Niger et présidents des conseils municipaux ont approuvé à main levée le projet de déclaration des collectivités territoriales du Niger. Des élus locaux qui ont accordé leur violon pour apporter un soutien indéfectible au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement de transition. Apportons notre ferme soutien aux actions annoncées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour une transition réussie, affirmant notre entière disponibilité à participer au Conseil national des dialogues sans considération politique ou partisane pour le seul intérêt de nos populations vaillantes et résilientes. Une déclaration remise en main propre au Premier ministre Ali Mamane Lamine Zène en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration territoriale. Pour la bonne conduite de la transition, le Premier ministre a déclaré pouvoir compter sur ses élus locaux. Parce que vous êtes l'émanation de la population à la base, vous êtes l'émanation du pays profond. Je vous proposerai de continuer à faire ce travail que vous faites auprès de la base en sensibilisant davantage de populations pour ne pas perdre ce fil qui est celui de maintenir la cohésion nationale, de faire en sorte que l'ennemi que nous avons, qui est le terrorisme, soit vaincu. C'est avec une entente et une unité renforcée que cela se fera. Cette déclaration des collectivités territoriales du Niger, dépositaire de la démocratie à la base, est un signal fort de l'adhésion populaire des Nigériens autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, car plus de 80% de ses élus locaux et municipaux sont issus du parti présidentiel ou de leurs alliés déchus le 26 juillet dernier.